Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin. Et cette fois-ci, on parlera de Willow. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, hey Iker, c'est quand que tu fais le point sur Willow? Le point sur Willow, Iker, vite, vite, le point sur Willow. Et bah ça y est, le voici, le point sur Willow. C'est un personnage qui est malheureusement, elle n'est pas God tier, hein, elle n'est pas S+, c'est pas Cassie actuellement. Mais ça reste un personnage qui est pas mal sous-estimé par les gens. Ils ont tendance à penser que c'est un perso poubelle. Pourtant, c'est un personnage qui peut très vite vous faire mal si vous l'ignorez. C'est un personnage qui a un petit peu de mobilité, c'est ça qui lui manque, hein. C'est la survivabilité en cas de duel. Donc si vous jouez avec une Willow ou que vous jouez Willow, essayez d'être un peu le garde du corps de votre soigneur et essayez de demander de rester pas trop loin de votre soigneur car vous verrez que ensemble, vous allez pouvoir rouler sur des gens qui pensent que Willow, c'est un peu poubelle. Donc on va parler un petit peu de cette championne qui a un lore plutôt rigolo. Je vous laisse le lire si vous ne l'avez jamais lu. C'est un personnage à 2200 PV, donc elle a les PV à peu près des soigneurs maintenant, hein, puisqu'ils ont été nerfés. Et c'est un personnage qui est relativement puissant sur les maps ouvertes. Sur les maps ouvertes, c'est sûr que si vous allez la jouer sur une map où il n'y a pas forcément la place de voler, ça sera compliqué. C'est un personnage qu'il va falloir focus, c'est un personnage qui est difficile à jouer dans la méta actuelle. Il y a un autre, le point sûr, qui sera fait sans doute la semaine prochaine, qui sera sur le point sur Drogoz. Et même si je sais que ça fait mal à certains, Drogoz il est plus méta. Drogoz il est plus méta à cause de l'open beta 64, qui avait vu nerfer la mobilité de tout le monde. Alors les joueurs se sont dit « Ah !» Mais les gens se déplacent à deux à l'heure, bah pourquoi je jouerais pas un sniper? Et ils ont découvert que les snipers ça défonce Drogoz. Et les snipers ça défonce également Willow, hein. Quand elle est en train de voler, elle est pas pour un mec qui est très très bon en sniper, c'est pas le perso le plus difficile à toucher quand elle vole. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à jouer. Donc c'est assez compliqué de la sortir s'il y a des snipers. C'est donc pas un perso que je vous conseille de first pick. C'est un perso qui est un petit peu un counter pick contre le soin, un counter pick contre les compos paquets, un counter pick contre les persos relativement statiques, c'est-à-dire que contre des persos qui ont du mal à aller la chercher, Willow pourra s'amuser à leur spammer la tronche. On va parler un petit peu des compétences. La compétence, on va parler des forces, hein. Très clairement, zone morte est l'une des plus grandes forces de Willow, puisque c'est un anti-heal à 100%, c'est-à-dire ça empêche les gens d'être soignés, donc c'est très 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 fort, hein. Ça nullifie complètement un ulti-ing sur quelqu'un, ça nullifie énormément de choses, une cour de Damba, le totem de Grok, etc., etc. Et surtout, contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas et spamment le ni-ni-ning en sortant de la zone morte et ils font « Oh putain, j'ai pas reçu de heal !» C'est parce que ça continue, l'effet continue d'affecter les ennemis qui sortent de la zone morte pendant 2 secondes. Donc si vous restez longtemps dedans, sachez que vous allez être anti-heal pendant 7 secondes, ce qui est vraiment énorme, sachant que le cooldown est de 15, donc vous pouvez être quasiment anti-heal la moitié du temps. Et c'est une compétence sur laquelle les tanks doivent faire très attention. Quand vous êtes anti-heal, il faut en sortir très 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 vite. Et après, il ne faut pas se dire que dès que vous êtes en sortie, vous allez être heal. Non, vous êtes encore anti-heal pendant 2 secondes. Donc il va falloir temporiser longtemps si vous avez été dans la zone morte de Willow. Autre sort relativement intéressant qui est très fort quand on débute, c'est Semi. Parce que les gens restent dedans, les gens prennent des dégâts et 800 de dégâts, c'est quand même élevé. C'est un sort qui est nul à Oelo. Malheureusement, à Oelo, c'est un sort, on va pas le maximiser. On va pas le maximiser dans le sens où on va pas jouer la légendaire basée sur le Semi. On va pas le spammer à tout bout de champ, jouer la CDR dessus, etc. Non. Par contre, c'est un sort qui peut faire mal et qui, dans certains cas, peut être bien utilisé pour spammer les points. C'est un peu comme une bombe grognon, sauf que ça ne stun pas. On spamme le point, on essaye de forcer le tank à soit rester dedans, soit reculer, justement, grâce à ça. Donc, c'est relativement intéressant. On a ensuite, pour terminer, le battement d'aile. Le battement d'aile est un sort puissant car c'est le seul sort de mobilité et contrairement à beaucoup de personnages, elle peut atteindre des hauteurs avec son sort qui lui permettent de se mettre à l'abri. Donc c'est l'une des qualités de Willow, c'est qu'elle peut un petit peu voler ou en tout cas aller sur des plateformes que ne peut pas faire Viktor, Tyra, Viviane, etc., etc., d'autres dégâts. Donc c'est l'une de ses qualités. Enfin, elle a l'ulti, elle vole pendant 10 secondes. Sachez que c'est pas écrit ici, mais pendant l'ulti de Willow, elle est immune contrôle. Hein. Vous pouvez pas la grave avec Makoa, vous pouvez pas la stun.
Ça ne marche pas, donc n'essayez pas. Et elle les vole pendant 10 secondes et ça peut faire très mal. Le niveau des légendaires, ce que je vous conseille, c'est fleur explosive, ça n'a pas changé. Hein. Fleur explosive, chaque tir d'arme augmente vos dégâts de 100 contre la cible touchée, effet cumulable 3 fois, sachant que vous faites 500 de dégâts toutes les 0,75 secondes, et ben vous allez pouvoir atteindre 800 de dégâts au bout de 3 auto-attaques réussies. Contre la cible touchée, bien évidemment, il faut toucher 4 fois la cible pour faire 800. Ça permet de faire très très mal et d'être relativement, voire très efficace contre les personnages relativement statiques qui ne vont pas réussir à sortir de votre zone. Notez que le blast damage, le splash damage de votre arme fait que, comme tous les personnages comme Bomb King, Drogoz, sont un petit peu plus forts s'ils sont sur une hauteur comparée à l'adversaire, puisque vous allez ainsi avoir un angle énorme pour lequel vous allez balancer votre attaque. Donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur avec ce personnage, la hauteur sur Willow est complètement craquée. Deux petits decks vont être présentés, comme d'habitude c'est des decks où vous pouvez varier les points selon votre expérience de jeu, vos difficultés, vos facilités, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire avec le personnage. On va présenter un deck battement d'ailes et un deck anti-heal. Donc le deck battement d'ailes, c'est sur la mobilité de Willow et on va justement la garder grâce au fait que vous avez battement d'ailes qui se recharge 2,5 secondes plus vite, ce qui va vous permettre d'avoir un sort de mobilité qui revient quand même très vite, hein, puisque le battement d'ailes revient en 10 secondes, donc vous le récupérez en 7,5 secondes, pardon, j'ai fait une petite manip technique, hop, battement d'ailes, donc vous allez le récupérer plus vite, c'est relativement fort, et vous allez jouer chaque élimination réduit le temps de recharge en cours de 40%, ce qui va vous permettre de récupérer parfois votre battement d'ailes toutes les 4 secondes, donc ça peut vraiment être bien et ça vous permet d'enchaîner. Pour Snowball, et pour pas avoir trop besoin de recharger, vous avez activé battement d'ailes, rend 3 munitions, ce qui va vous permettre tout simplement de continuer à spammer vos sorts. Vous avez 100 PV supplémentaires pour passer à 2300. Pourquoi 2300? Parce que, on le sait très très bien, le meilleur perso du jeu est actuellement pas mal à la mode, par exemple. Qui fait que il fait 1250 et 1000 de dégâts. Ce qui fait 2250 de dégâts. Combien a de PV Willow? 2200. 2200 plus 100, 2300. Shali ne la tue plus en deux flèches. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et pareil pour Cassie, pour des personnages comme ça qui ont tendance à vous burst. Les 100 PV supplémentaires ici peuvent être utiles pour ça. C'est pour ne pas mourir de Shalyn d'une flèche de retrait et d'un tir derrière. Et de devoir tirer 3 flèches. Alors bien évidemment, si c'est un Genos qui augmente les dégâts du Shalyn, non, ça tuera quand même. Mais si c'est un Genos normal ou s'il ne joue pas avec un Genos, ça sera relativement bien. Bien évidemment, il n'y a pas que Shalyn, mais c'est pour vous donner un exemple typique qui vous permet à Willow de survivre un petit peu plus et d'être donc un petit peu plus efficace. Et vous avez, bien évidemment, vous subissez 5% de dégâts en moins pendant 3 secondes après battement d'ailes. Et ça, les gars, si vous l'aimez et que vous n'aimez pas le reset ici, vous pouvez très bien mettre 3 points. Vous pouvez très bien mettre 4 points et retirer cette carte et prendre zone morte sur 0,5 secondes en plus ou... quand vous lancez semi, vous récupérez des munitions. C'est au plaisir. Au plaisir, comme d'habitude. Vous pouvez choisir. Vous pouvez varier un petit peu. Sachez que c'est possible. Ensuite, vous avez un deck anti-heal. Deck anti-heal, c'est bien évidemment sur la zone morte. C'est quand vous jouez face à un Grog. C'est quand vous jouez face à une Ying, par exemple. Ou quand vous jouez contre un Maldamba pour spammer l'endroit où il y a la gourde pour vraiment être casse-bonbon avec votre zone morte. Donc, on va jouer zone morte sur recharge 3,5 secondes plus vite. 3,5 secondes plus vite, on l'a dit, sur un sort qui a de base 15 secondes. Donc, ça va seulement redescendre à 11,5. Mais 11,5, sachant que la zone morte dure relativement longtemps, hein, elle reste 5 secondes sur le sol, plus 2 secondes, donc ça peut durer 7 secondes, ça veut dire que vous allez vraiment être capable d'appliquer l'anti-heal. Et l'anti-heal, faut l'appliquer comment? L'anti-heal, si vous voyez que toute votre équipe focus un joueur, mettez pas l'anti-heal sur un autre. Essayez de le mettre sur ce joueur-là, parce que ça va, avec l'anti-heal, vous permettre de peut-être le tuer. Donc comme l'avait dit Zog dans certaines vidéos, parfois on a le bon focus, mais si personne nous suit, même si on a le bon focus, on tuera personne. Donc si les autres alliés n'ont pas forcément le bon focus, parfois il faut mieux les suivre parce que ça va permettre de faire l'effet domino.
Chaque élimination réduit le temps de recharge de 40%. Parce que c'est mieux d'apprendre d'avoir de la CDR sur ça que de la CDR sur le bas de bandel, même si là il y a les deux. Parce qu'en fait, ça permet de récupérer les trois autres sorts. Et les trois autres sorts sont relativement bien sur Ceres. Semi, ça va permettre de spammer le point. Zone morte, ça permet de retirer complètement le heal. Et bas de bandel, c'est le sort de mobilité. Donc voilà, après vous voyez que c'est du classique, il n'y a pas l'augmentation de PV dans ce deck-là, donc il faudra faire un petit peu plus attention. Et ben voilà pour la présentation et le point sur la petite Willow, maintenant on va essayer de la jouer, à tout de suite. Et c'est parti pour le gameplay de Willow sur Mangrove, alors me jugez pas trop les gars, parce que c'est vrai que c'est un personnage, je l'ai rang 8. C'est dégueu rang 8 avec l'augmentation des masteries, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est un personnage que j'aime bien, mais voilà, le Willow, on l'a toujours dit, elle a été viable à niveau pro, mais alors pendant tellement une période tellement courte, c'est parce qu'elle était capable de gagner ses duels. Et quand elle est capable de, quand un personnage comme Willow peut gagner ses duels, elle est pétée. Mais si vous n'arrivez pas à gagner vos duels, bah c'est forcément un personnage qui est moins bien. Vaut mieux jouer Becca si vous arrivez à gagner vos duels, vaut mieux jouer Drogo si vous arrivez à gagner vos duels, etc. Parce que c'est des personnages qui se ressemblent beaucoup. Et dans les trois, et bah actuellement, on joue que Becca. Parce que Becca prend cher contre des snipes, mais peut toujours faire son taf. Drogo, s'il vole, c'est compliqué parce qu'il se prend des balles, etc. Ça va être un petit peu plus dur. On va jouer... The battle is about to begin. On va jouer anti-heal. On va jouer anti-heal, pourquoi? Parce que ça va me permettre de jouer anti-heal et Waker. Anti-heal et Waker, j'espère qu'on a un Fernando anti-heal. Ah, on a seulement 15% sur le Fernando, c'est pas ouf. On a un... Ouais, on va manquer un petit peu d'anti-heal, mais ça va. On va essayer. La force de Willow sur Mangrove, bah, c'est qu'en spammant l'anti-heal sur le point, et bah, ça fait la diff, hein, très clairement. Je sais pas si on peut le passer à travers la fenêtre, oui on peut. D'accord. Ah, ils ont complètement abandonné le côté là, mon healer, je sais pas où il est. Chopinou. Ah oh, mais Chopinou il joue... D'accord. Le mal d'en bas joue la légendaire de stun. Ok. Particulier comme style de jeu, on va essayer de s'en suffire. Bien joué. Essayer de spammer le semi sur le point. Faudrait réussir à tuer le Drogo. Je vais me mettre sur le point même si c'est pas tout à fait mon taf. Merde, j'ai raté mon tir. Bien joué Chopinou. Bon, c'est plus à moi d'être sur le point donc j'y vais pas. Oh, il va me tuer. Non. Mais il est mort. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça avait l'air d'être le joueur le plus solide de l'équipe adverse. Non, j'ai pas eu de bon réflexe. Non, de toute façon, je crois que je l'avais pas. Allez, vous avez tué le can. Bien joué, les gars. C'est ça qu'on veut. C'est un mal dans Baston. Et beau, bien joué, les gars. C'est difficile de toucher hein, quand le mec est en l'air par rapport à la position, vaut mieux que je monte là. Je dirais que ça devient plus facile. Hein. Ok. J'ai raté. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Il a beaucoup de poussées, lui. Il la récupère vite, sa poussée. Il fait halluciner à quel point il la récupère vite. Faut que je casse son shield. Attention au BK, on va essayer de le gêner. Bien joué. Il est où, Jean-Gos? Killing spree.
J'avais pas vu le Talus. On avait pas vu. On va prendre Agile en deuxième relique, je pense. Allez, go. Oh, des ultis en splitté comme ça, je sais pas si c'est où. C'est bon, on l'a eu. Bien joué. 15 seconds remaining. On va réussir à tuer la ligne. 10, 9, 8, 7, 6. Est-ce que je vais avoir de l'aide? 3, 2, 1. Oh putain, c'est chaud. Il m'a pas heal hein. Je crois qu'il m'a heal mais sur la fin quoi. Bien joué. Allez, faut essayer d'avancer. Dommage le Talus. Terminus est mort. Dommage, j'aurais peut-être pas dû ulti comme ça, tant pis. Un petit peu, j'aurais pas dû ulti comme ça. Bah, je me traîne, les gars. Willow, c'est pas du tout mon gameplay. Moi, je suis à 10-4, je suis plutôt pas trop mécontent. Après, je rate beaucoup de tirs. C'est vraiment difficile, Willow, comme arme à prendre en compte quand on vise pas du dessus. Parce que, bien évidemment, Lila, je dois essayer de toucher quelqu'un qui est là. Bah, je suis obligé de le toucher, quoi. Sinon, je tire là. Par contre, là, c'est simple. Voilà, je veux toucher le Zin, je le touche aussi bien là, là, voilà. C'est tellement basé sur la verticalité. Et la hauteur, il faut essayer d'assurer. J'ai mon broyeur, je vais essayer de continuer de spammer le can. Je vais essayer de faire mon débilos à casser le shield de can pour qu'on puisse te tuer relativement vite. Ça peut être pas mal. Ils sont encore là. On va monter là. Bon, il est mort dans l'autre, bien joué. Oh là là. Oh le. Ah, c'était bien ça. On a réussi bien à faire tomber là. Non. Je suis trop loin. Je suis trop loin, on y a tous cru, résident. J'espère que l'équipe va tenir. Oh non, l'équipe est morte. Oh, l'équipe est morte, les gars. C'est pas cool. Il s'est fait... Boum. Laying en moi. Quoi, mon Fernando, là, faut que t'ailles sur le point. Je spam le can. Voilà, le can est mort. Il a raté. Boum! C'est tellement rigolo, stupide. Dans la zone morte. Ah, il m'a eu. J'ai failli l'avoir, mais il m'a eu. Bien joué. On a pris le point, c'est bien. Ah, c'est très grave. Allez, on revient. Difficile de se dire face aux flanks. C'est pour ça qu'elle est pas trop méta Willow aussi. Parce que bah, les flanks sont vraiment à la mode. Hein. C'est difficile de survivre face à un flank. Je vous ai dit, il faut vraiment avoir le healer... Qui décide de vous aider quoi. Et si le healer il est un peu dans l'idée de jouer stun mal d'en bas, pas forcément ouf quoi, hein, logique.
essayer de mettre la zone morte à ses pieds. Là c'est chaud d'attaquer parce que... C'était bizarre comme ulti, mon cher Monkey. C'était bizarre. C'était bizarre, mon petit Becca. C'était étrange. On aurait dit moi. On aurait dit moi. Est-ce qu'il y a un Iker en face? Non. Bon, ça se passe bien. L'itemisation est bonne parce qu'on a deux cautérisés au rang max. Un broyeur pour le Waker. Finalement, c'est pas dégueu. Et ça me permet d'avoir un petit peu plus de move speed. Une carte qui serait intéressante pour Willow, c'est d'avoir sa move speed augmentée après battement d'aile. Je crois pas que ça existe. C'est un petit souci, ça. Moi je sais pas, je trouve pas ça ouf en fait. Sur certaines maps, Talus faire ça, je trouve pas ça extraordinaire. J'ai un peu raté, je voulais mettre la zone mode sur Khan, mais j'ai pas réussi. Bon, moi je reste sur Khan puisque c'est mon objectif de péter le shield. Hein. Parce que toi qui as le shield est pété, il a plus grande chance de survivre. Il peut voler tout le temps ce perso, c'est ouf. Oh là là, j'y arrive pas. Hein. Les duels, c'est tellement de la merde, Willow, dans un duel. Il me tue tellement plus vite que moi. C'est pour ça, en fait, le setup de Willow sur cette légendaire est vachement basé sur le fait de toucher plusieurs fois la cible. Va te faire stun. Eh oui. Eh oui, tu vas mourir, mon gars. C'est difficile. Oh non! Oh non! Ah, contre là, les gars, je pouvais rêver pour avoir un heal de Damba en étant à cette hauteur. Je retombe sur la bombe de Bomb King. Je lui ai mis l'anti-heal avant, c'était pas mal. Qu'est-ce que j'arrive pas à toucher quand je dois tirer en l'air? C'est impossible pour moi, j'y arrive pas. C'est bon, ça gagne. J'y arrive tellement pas à toucher un Drogoz en l'air. Bon, je pense que les gens qui l'ont maîtrise 20 ou 30, ils y arrivent, mais moi je l'ai tellement pas joué ce perso qu'à chaque fois il faut que je me réhabitue à son attaque en fait. La base de Paladin, c'est d'être habitué à la vitesse de projectile de son attaque quand c'est pas un hitscan. C'est pour ça qu'il y a des joueurs de hitscan. C'est vrai que si tu sais très bien jouer Viviane, non, tu sais très bien jouer, je sais pas, Talus, bah tu sais forcément relativement jouer Viviane parce que c'est un skill cap plus bas. Tu sais bien jouer Victor parce que c'est un skill cap plus bas que Talus. Et tu sais très bien jouer Tyra parce qu'il y a un skill cap plus bas que Talus également. Et globalement, c'est pour ça que c'est plus facile de se spé. Si t'es un bon joueur de hitscan, bah tu seras un bon joueur de beaucoup de persos dans le jeu parce qu'il y a beaucoup de hitscan. Khan, Rukus, Lian. Enfin voilà, il y a beaucoup de tirs hitscan dans le jeu. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent dans les équipes professionnelles qu'il y a un joueur de blast et un joueur de hitscan. C'est pas toujours vrai, hein, mais ils vont tourner à niveau pro. Mais souvent, et c'était l'un des gros défauts des SK Gaming la saison dernière, c'est que Stolzy était un joueur de... C'est plutôt un joueur de hitscan, mais il jouait Blast, et Prince Dany est plutôt un joueur de hitscan. Et voilà, vous avez par exemple, je sais pas moi, Lazy, c'est plus un joueur de Blast, et Bombcar, un joueur de flank hitscan. Vous avez Mutu, c'est plus un joueur de... Ouais, Mutu, c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est Ftatic, ça va être plutôt... Chez Ftatic, c'est compliqué aussi, mais... Bitainer, c'est plus un joueur de hitscan. Ou c'est plutôt... Ouais, c'est ça.
Retainer, c'est plus le joueur de hitscan, et Fischeko, c'est plus le joueur de place. Parce que bon, Fischeko, il est très connu sur sa IV. Par contre, Retainer, il est très chaud sur son Shalin, par exemple. Ça sera plutôt... Bon, Shalin, c'est plus hitscan que blast, hein. Même si c'est pas hitscan. Hitscan, c'est pas vraiment purement du... Si le mec est dessus, tu touches parce qu'il y a une vitesse de projectile. Mais c'est quand même pas la vitesse de projectile d'un blast, quoi. Et ben voilà, on a fait quand même 53 000 de dégâts. Donc je suis pas mécontent, même si c'est pas ouf. On fait du 11-8-14. On aura bien rigolé sur cette game de Willow. Willow qui a quand même un petit peu un portrait un peu trop zoomé, moi, je trouve. Hein. Mais bon... Je trouve qu'il devrait un petit peu dézoomer les portraits. Et voilà. Donc c'est marrant, on a joué le deck zone morte. Alors qui signifie zone morte, qui signifie pas forcément qu'il faut jouer la légendaire zone morte, mais juste que vous allez avoir l'anti-heal en fait. Parce que la légendaire de zone morte se recharge 3 secondes plus vite et retire un bouclier de 50% de leur PV max par seconde. C'est pas ouf quoi. Ça vous permet pas de gagner des duels. De toute façon, la seule qui vous permet de gagner vraiment des duels, c'est l'explosion initiale inflige 800 de dégâts. Ça vous permet de gagner vos duels. Un petit peu plus facilement, Peladon. Mais ça veut dire que vos auto-attaques vont faire beaucoup moins mal et que vous allez beaucoup moins setup quand vous serez plus en forme de duel. Forcément, fleur explosif, c'est complètement craqué parce que balancer 800 de dégâts par auto, ça fait vraiment très très mal. Et alors que bah là, vous allez faire seulement 500, mais vous allez avoir un burst. Pour tuer quelqu'un, ça va quand même être long hein, parce que 800 plus 500 plus 500 plus 500. Voilà, et là, vous avez fait plus de 2300 de dégâts. Et globalement, c'est long. Hein. Vous avez lancé 3 auto-attaques. Ça veut dire que vous avez lancé 3 autos et votre sort. Donc, il faudra au minimum 2 secondes. Non, 2 secondes. Pratiquement 2 secondes et demie pour tuer quelqu'un. Ce qui est énorme, 2 secondes et demie. Combien de persos vous tuent plus vite qu'en 2 secondes et demie? Même avec ça. Et c'est aussi pour ça, hein, c'est combien de temps avec fleur explosive vous mettez pour tuer quelqu'un qui vous arrive dessus. Alors généralement, un flanc qui vous arrive dessus, vous l'avez pas vu arriver et il vous a touché généralement en premier. Voilà, c'est pour ça. Drogoz, il met un direct shot, il met 2 direct shots, le flanc il a disparu. Et c'est plus facile de mettre un direct shot sur un Talus qui est à 2 mètres de toi, ou sur un Androxus, que de faire 4 autos avec Willow. Quoi. Donc c'est pour ça en fait, c'est pour ça que Willow. Et pas bêta. C'est pas très très fort en duel 1 contre 1. Burst assez lentement. Alors, mais par contre, c'est une très très bonne championne pour spammer le point. Et si vous jouez dans une équipe où on va vous protéger, quoi. Voilà. Et ben, j'espère que vous aurez apprécié ce le point sur Willow qui n'est malheureusement pas méta. Mais bon, le but des le points, c'est de préciser qui est méta, qui ne l'est pas, d'expliquer les forces et malheureusement les faiblesses des champions. Ça reste un personnage qui est sous-estimé. C'est-à-dire que si vous voulez regarder une game fun, vous regardez SimZilo dans la tête d'impro sur Willow parce que c'est très très drôle comment il assure avec ce perso qui est, beaucoup considéré comme trash ou poubelle. Et on voit dans cette vidéo que quand on maîtrise bien le personnage, ça fait quand même le café. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Paladin. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu as kiffé cette vidéo, un pouce vers le bas si tu l'as vraiment détesté, mais ça va, c'était pas... Même si t'aimes pas Willow, c'était bien. T'as appris 2-3 trucs, il met une contrôle durant l'ulti. T'as appris 2-3 trucs, je pense. T'as appris la zone morte qui dure 2 secondes de plus parce que t'avais jamais lu peut-être ce sort comme moi. Il y a genre 6 mois, j'étais pas au courant. Enfin, quand elle est sortie, j'avais pas lu. J'avais pas lu. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !